Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue aujourd'hui à cette séance d'information webinaire en lien avec les types de, avec la catégorie de vélos de montagne, les hardtail. C'est une catégorie de vélos de montagne qui est très large, qui englobe beaucoup de vélos. Donc aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire dans la séance d'information, c'est de vous donner le maximum et les meilleures informations possibles pour essayer de vous éclairer un peu là-dedans. On va essayer d'annuler toutes les zones grises qu'il pourrait avoir pour être capable justement de trouver le meilleur vélo pour vous ou même pour votre enfant. Évidemment, tout ce webinaire-là ici qu'on est en train de vivre, c'est essentiellement pour la catégorie des hardtail, on va dire, communs. Là. Il n'y a pas les hardtail spécialisés, parce qu'il existe des hardtail spécialisés, que ce soit en cross-country plus de course ou même en trail enduro. Mais ça, on en parle dans les webinaires des cross-country et dans les webinaires enduro. Là, on regarde vraiment ce qui s'adresse aux communs des cyclistes. Les fameux hardtail, on va utiliser ce terme-là parce que c'est le terme qui est le plus utilisé dans le jargon populaire. Donc, c'est une catégorie de vélo qui est souvent un premier vélo ou un vélo qui nous introduit dans le vélo de montagne puis qu'on va être capable d'utiliser à l'occasion ou un peu plus souvent. C'est une catégorie de vélo qui est quand même assez large au niveau des équipements puis au niveau des prix. En boutique, nous tenons principalement des vélos qui commencent autour de 550 $, puis la gamme va aussi large que des vélos autour de 1 500 à 1 700 $ pour la même catégorie. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un vélo de 580, 550 ou de 1 700 $? En fait, c'est tout, littéralement tout, que ce soit à partir du cadre ou de l'habillage du vélo. Donc, le cadre étant la colonne vertébrale de n'importe quel type de vélo. Quand on parle de hardtail, on parle vraiment de vélo de montagne avec une seule suspension à l'avant. Maintenant, au niveau de l'habillage du vélo, c'est tout ce qui se rattache à ce cadre-là. Donc, les roues, les pneus, le système d'engrenage, guidon, potence, tige de selle, tout ce qui vient habiller un cadre. En bout de ligne, les manufacturiers de vélo, c'est des manufacturiers de cadres. Les habillages d'une compagnie à l'autre peuvent être très similaires pour des mêmes catégories de prix. Donc, si on compare un vélo hardtail de 800 $ d'une compagnie, l'habillage du vélo va être très similaire à une autre compagnie qui offre aussi un vélo à 800 $. Là où on peut voir des différences, je vous donne un exemple. Le compétiteur offre un vélo à 800 $ qui est nettement mieux équipé que le nôtre ou que le vôtre, peu importe. Souvent, c'est dans le cadre qu'on va voir les différences. Une compagnie peut décider de mettre une énergie, une attention particulière dans la qualité de construction d'un cadre, tandis qu'un autre, pour rendre le vélo plus intéressant, peut avoir un type de construction un peu plus de base ou un peu plus rudimentaire. Donc, il faut être certain, de, si on veut comparer des pommes avec des pommes, de s'assurer qu'à la base, la colonne vertébrale du vélo, qui est le cadre, soit comparable d'une marque à l'autre. Maintenant, dans cette catégorie de vélos-là, on a essentiellement aujourd'hui les deux tailles de roues qui dominent le marché. On va avoir les roues de taille 27,5, puis les roues de taille 29. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi on devrait choisir un 27,5? Pourquoi on devrait choisir un 29? Il y a quand même plusieurs éléments à considérer, dont notre taille et aussi le type de conduite, le type de comportement qu'on s'attend de notre vélo. On va commencer par la taille. Les grandes roues 29, de façon générale, vont être plus appropriées pour des gens d'environ 5 pieds 4, 5 pieds 5 en montant. Puis les roues de 27,5 vont être, de façon générale, plus appropriées pour les 5 pieds 4, 5 pieds 5 en descendant. Mais il ne faut pas que se limiter à la taille, parce que quelqu'un de 6 pieds 1 peut très bien décider de rouler un vélo avec des roues 27,5 si c'est le type de conduite qu'il recherche. Quand on parle de type de conduite, les deux tailles de roues vont donner des comportements puis des réactivités bien différentes pour le même type de vélo. Donc, les roues, on va dire 27,5, un peu plus petites, vont avoir une meilleure réactivité à basse vitesse. Ils vont évidemment porter un peu plus dur parce qu'on ressent un peu plus le sentier. Mais c'est pas seulement négatif de bien ressentir le sentier. Il y a des gens qui, au contraire, veulent avoir un certain... Ils veulent ressentir le sentier. Ils veulent ressentir les roches, les racines. Peut être capable de faire un peu plus ce qu'on veut avec le vélo dans le même sentier, de sauter de gauche à droite, sauter, faire des wheelies. Un vélo avec des roues de 27,5, un peu plus petites, va être un peu plus joueur, un peu plus... pas nécessairement plus le fun,
bonne, mais définitivement plus agile pour certaines techniques en vélo de montagne. Tandis que les roues 29, de dimension et de poids un peu plus grande, vont être un TGV, c'est un train de marchandises quand on a une certaine vitesse de croisière. La plus grande roue aussi va venir adoucir beaucoup le sentier. Ça va pardonner les erreurs. Fait que souvent, pour des gens qui commencent en vélo, la taille de roue 29 peut être très agréable parce que ça vient pardonner beaucoup les erreurs de pilotage. C'est certain qu'à partir du point zéro, l'accélération du 29 est un peu plus laborieuse, mais une fois que la vitesse est lancée, le 29, comme je dis, c'est très rapide. C'est facile de maintenir une vitesse moyenne élevée avec un 29. Peut-être un peu moins joueur, on peut faire un peu moins qu'est-ce qu'on veut. Si on décide de sauter, il faut se commettre un peu plus avec un 29. Les deux types de roues ont totalement leur place dans le marché. Les roues 27, étant un peu plus petites, vont aussi souvent mieux s'adapter pour des jeunes qui vont faire la transition entre un vélo junior, on va dire 24 pouces ou même 26 pouces, qui est pratiquement en voie d'extinction, vers leur vélo d'adulte. Donc, on va souvent passer de 24 à 26 à 27,5. Ça va être à leur taille. Souvent, ces jeunes-là qui vont avoir peut-être 12, 13, 14 ans qui sont encore de petite taille, les roues 27,5 vont être beaucoup plus faciles à manier, beaucoup plus adaptées à leur taille que justement les roues de plus grande dimension dans le 29. Puis ça va faire aussi que le vélo à qualité égale dans le 27,5 va être un peu plus léger que le vélo du même équipement avec des roues 29. Donc, à la base, on va essayer vraiment de choisir quel type de roue s'adapte le mieux à nos besoins, au type de pilotage qu'on recherche, puis à notre taille. Ensuite de ça, ce qui va faire vraiment la différence de prix d'un vélo à l'autre, c'est la qualité des cadres qu'on regarde, puis en second lieu, l'habillage du vélo. La plupart des compagnies, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont offrir, pour une même qualité de cadre, 3 ou 4 types d'assemblage sur le même cadre, avec des couleurs différentes. Ensuite de ça, on va tomber dans une deuxième catégorie de cadres, toujours dans le hardtail, où est-ce que le cadre va avoir des techniques de construction un peu plus raffinées. Donc, tout est conséquent. Si on tombe dans un cadre de meilleure qualité, on va avoir des pièces aussi qui vont être de meilleure qualité. Donc, c'est pour ça que ça va être souvent une première tranche de vélo qui vont se situer normalement entre 550 puis 800 $. Souvent, une autre tranche de vélo entre 800 $ et 1200. Puis souvent, une troisième tranche de vélo entre 1200 puis 1700, 1800. Puis on va avoir des améliorations dans la qualité du cadre, puis en même temps dans la qualité du groupe de composantes qui l'habille. Certains types de vélos, quand on tombe dans un peu plus haut de gamme, vont avoir des suspensions à l'air comparativement aux suspensions à coil avec un spring pour les modèles un peu moins dispendieux. Toutes les suspensions ont de l'huile, que ce soit les suspensions à l'air ou les suspensions à coil, c'est une huile de lubrification qui vient assurer un bon fonctionnement du système. Évidemment, quand on tombe dans le plus haut de gamme avec les suspensions à l'air, on va avoir des suspensions qui vont être évidemment plus légères parce qu'on remplace une chambre qui a un gros coil, un gros spring en acier avec une chambre qui est vide, une chambre à air. Donc, on va avoir une suspension qui va être aussi plus légère et plus réactive, plus sensible aux petites variations du terrain. On va avoir aussi un vélo qui va avoir des axes creux. Souvent, les premiers modèles de vélo vont avoir ce qu'on appelle des déblocages rapides, les fameux quick release, où ce qu'on peut ouvrir puis fermer très facilement puis enlever sa roue avec le bon vieux quick release que ça fait des décennies que ça existe. Quand on augmente de gamme, on va remplacer ça par ça, qui est littéralement un axe creux, un true axle, communément appelé dans le jargon populaire. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'au lieu de s'insérer dans le cadre ou dans la fourche, ça vient passer au travers du cadre puis de la fourche, ce qui vient augmenter grandement la qualité de la surface de contact entre les moyeux puis la fourche ou le moyeu puis le cadre. Donc il va avoir moins de flexion latérale, une meilleure rigidité, meilleur transfert d'énergie, puis moins de risques d'erreurs humaines reliées à une mauvaise opération du fameux quick release. Donc, avec un true axle, les risques d'erreurs humaines, puis de pas l'avoir mis assez serré, puis de perdre sa roue, sont minimisés. Donc, plus sécuritaire, plus rigide, meilleur rendement. Ça, souvent, on va commencer à retrouver ça sur des vélos, de façon générale, autour de 1200 $ en montant. Pour ce qui est des freins à disque, une autre amélioration qu'on va voir d'une tranche à l'autre, les modèles de base vont avoir des freinages à disque mécaniques. Pas mal tous les vélos de catégorie style hardtail vont avoir des freins à disque mécaniques. Les vélos un peu plus haut de gamme vont avoir des freinages à disque hydrauliques. Donc, la grande différence, c'est que le freinage mécanique, c'est très traditionnel. C'est une manette traditionnelle avec un câble puis un étrier de frein qui est activé par le câble.
le système de freinage hydraulique. C'est un peu comme sur les voitures ou sur les motos. C'est tout scellé. Il y a de l'huile, il n'y a pas d'air. Fait que c'est un système vraiment qui va avoir une chambre à l'huile, un câble à l'huile, puis un étrier à l'huile. Le gros avantage, les deux gros avantages du système de freinage hydraulique, c'est qu'on a une meilleure modulation, un meilleur contrôle de notre freinage avec moins d'effort, c'est moins dur dans les mains. Puis c'est un système où est-ce que le point de contact entre les patins de frein et le disque s'ajuste au fur et à mesure que les patins de frein usent. Donc évidemment, quand on a un système de freinage à disque, on va se voir moins souvent en boutique, malheureusement, pour les entretiens de vos freins. C'est un système qui est un peu plus indépendant. Tandis que le système mécanique demande un peu plus d'ajustement régulièrement pour venir compenser l'usure des patins de frein. Côté fiabilité, on a une belle fiabilité des deux côtés. C'est plus une au niveau de l'ajustement dû à l'usage. À l'usure des patins de frein. Aussi, ce qu'on va voir avec l'augmentation de la qualité des vélos, on va voir une diminution du nombre de vitesses sur les vélos. Donc, plus on monte de gamme, plus on, moins on a de vitesse. Fait que souvent, les modèles de base, ça va être très traditionnel. On va avoir du 3 plateaux à l'avant, puis du 7, 8 ou 9 vitesses à l'arrière. Quand on monte de gamme, on va tomber souvent dans du 1 plateau. On va passer directement de 3 à 1. Il y a encore quelques compagnies qui vont faire du 2 plateaux, mais on voit de moins en moins ça. Donc, on va tomber dans 1 plateau à l'avant avec souvent du 9, 10, 11 ou même 12 vitesses à l'arrière. Puis, un ratio au niveau des vitesses qui va être beaucoup plus grand pour venir compenser le monoplateau qu'on a à l'avant. Puis inquiétez-vous pas, si justement ce monoplateau-là ne vous convient pas, que vous n'êtes pas capable d'avoir le bon ratio au niveau de la cadence, ça se remplace. On peut remplacer vos plateaux pour un peu plus gros ou un peu plus petit pour faciliter la cadence sur le vélo ou tout simplement pour mieux adapter à votre conduite. Le monoplateau vient aussi vraiment aider au niveau de la simplicité, au niveau des changements de vitesse. Donc, au lieu d'avoir deux leviers de vitesse puis d'avoir à négocier avec deux dérailleurs, il y en a seulement un à négocier puis c'est à l'arrière. En avant aussi, la construction est faite de telle qu'il y a beaucoup moins de chances d'avoir des chaînes qui vont tomber puis d'être obligé d'arrêter sur le bord du sentier, se salir les mains puis de remettre la chaîne sur les plateaux. Les géométries aussi ont grandement évolué. Donc, quelqu'un qui achète un vélo hardtail de nos jours en a beaucoup plus pour son argent, puis il va avoir un vélo qui va être beaucoup plus facile à piloter qu'il y a quelques années. Oui, aussi à cause de l'augmentation des roues, comme que j'ai parlé tantôt, mais essentiellement à cause des angles puis du type de construction des vélos. On a maintenant des vélos dont les angles vont être plus ouverts, ce qui va faciliter beaucoup le contrôle du vélo dans les descentes. Ce qu'on entendait il y a des années, dire « Ah, moi, j'aime pas ça faire du vélo de montagne, puis j'ai vraiment peur de passer par-dessus mon guidon comme ça. » On voit de moins en moins ça. Même à toute fin pratique, à moins d'une grande erreur de pilotage, on voit plus ça. Avec les angles beaucoup plus relax, les débattements qui ont légèrement augmenté, puis les plus grandes roues, des cas de chute par-dessus le vélo ont énormément diminué. Donc oui, on pourrait dire que les vélos hardtail de montagne de nos jours sont beaucoup plus sécuritaires qu'ils étaient il y a quelques années. On a tout commencé, ça fait des années qu'on roule en vélo de montagne, on a tout commencé avec un bon hardtail, il y a une espèce de nostalgie, une espèce de sentiment de retour aux sources avec ce type de vélo-là. Il y a beaucoup de cyclistes qui ont, par exemple, des années en arrière de la cravate en vélo de montagne, qui ont des grosses machines de plusieurs milliers de dollars, puis que là, quand ça vient le temps d'aller rouler en famille ou rouler avec les enfants pour faire découvrir le vélo de montagne, simplement pour le plaisir de retourner au hardtail, ils vont s'en acheter un. Pas nécessairement quelque chose avec un gros équipement, mais juste pour le plaisir d'avoir le retour aux sources puis de la conduite d'un bon hardtail. Parce que oui, comparativement à un double suspension, le vélo hardtail va nous demander d'être un meilleur pilote. Parce que le vélo, il va moins pardonner les erreurs que le double suspension. Ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que quand on commence en vélo de montagne, si on a tout de suite la grosse Cadillac avec les doubles suspensions puis toutes les technologies, ben, le vélo, il pardonne tellement que nous, comme cyclistes, nos habiletés ont peut-être pas la chance d'évoluer aussi vite que quelqu'un qui commence avec un hardtail. Le hardtail nous oblige, d'une certaine façon, à développer nos habiletés. Puis là, en deuxième ou troisième lieu, quand on tombe sur un vélo double suspension, ben là, on est vraiment capable de l'apprécier au maximum puis d'aller au bout du vélo puis d'être capable de le rouler à fond. Donc, pour conclure, si nous, à travers cette séance de webinaire-là, on n'a pas réussi à répondre à vos questions ou ça, si vous avez toujours des particularités, des questions, quelque chose qui vous chicote en arrière de la tête, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web au vélolachop.com pour booker une séance en privé avec moi, une séance téléphonique où je vais être capable très précisément de répondre à vos questions. Si vous voulez vraiment optimiser la séance d'information, essayez d'avoir déjà une liste de questions prédéterminées
un ordinateur, que ce soit un laptop ou peu importe, puis on va être capable de faire l'échange ensemble. Je vais être capable de vous guider à travers votre ordinateur, à travers le téléphone, sur les liens web à aller voir, sur les couleurs de vélo, sur les types de vélos. Puis moi, de mon côté, j'ai tout notre inventaire en ligne, j'ai même l'inventaire de nos fournisseurs en ligne, puis je vais être capable de vous guider là-dedans. Si on n'a pas un vélo pour vous en stock, ça va nous faire plaisir de le commander s'il est disponible, puis vous dire les délais à respecter pour être capable de le recevoir. Donc sur ce, je vous invite à vous inscrire à une séance avec moi au téléphone. Ça va me faire plaisir de répondre au reste des questions que vous avez. Merci, bonne journée.